Il va à peu près partout, en tout cas là où c'est compliqué, là où un homme n'est pas forcément en sécurité, il... C'est un drone. Ici, il s'appelle Helios et ce n'est plus tout à fait un jouet. Son concepteur, Flyability, une start-up lausannoise qui grandit vite, très vite même. 60 employés, l'une des 80 sociétés spécialisées dans l'industrie du drone en Suisse. Elle fait partie de la Drone Valley, ce nouvel Eldorado qui s'étend de Lausanne à Zurich. Je crois que beaucoup de gens ont cherché la recette miracle des Silicon Valley et des autres endroits qui ont réussi. C'est souvent justement cette émulation positive des gens qui commencent au bon moment, qui fédèrent et ensuite qui continuent à propager ça. Donc je pense qu'il faut qu'on profite de ce qui est en train de se passer sans forcément se poser beaucoup de questions sur qu'est-ce qui nous a amené là. Autre outil, autre horizon. Ce drone-là est signé Sensefly, le spécialiste de la cartographie. Prix du drone entre 10 000 et 30 000 francs. Là, au niveau des détails, les détails géométriques, les détails en termes de position, en 3D, donc tout est, c'est pas seulement la position horizontale, verticale également. On a un degré qui est quasiment celui qu'on obtient quand on est sur le terrain, qu'on mesure point par point sur le terrain. À la question « Pourquoi la Suisse ?», la réponse est invariable. Il y a les compétences technologiques, l'esprit d'entreprise, les écoles polytechniques fédérales, le soutien politique et bien sûr, l'argent. Il y a des succès dans la recherche, il y a des succès dans le lancement d'entreprises, mais aussi le capital à risque, voilà, il a identifié la région comme une région prometteuse dans le domaine de la microtechnique et du drone. Ce qu'il y a de vraiment intéressant, c'est qu'il y a 5 ans, cette industrie n'existait pas. Maintenant, on a une société comme Sensefly, qui a bien plus de 100 employés en Suisse. On a une société comme Flyability, qui arrive autour des 60 employés. Et puis, on a les startups qui sortent. Et c'est ça un écosystème. Parce que si on a une société une fois, ce n'est pas un succès. Il faut avoir un succès sur la durée. La Drone Valley, 600 emplois recensés aujourd'hui et une volonté politique affichée de la considérer comme carte maîtresse de la Suisse de demain.